Alors, je m'appelle Benjamin Chamou, je pratique le ski alpinisme depuis 6 saisons maintenant. Donc voilà, je cours sur les Coupes du Monde, j'ai fait une 3e place en Coupe du Monde il y a 2 ans. Et puis sur les grandes courses, j'ai fait 15e à la Pyramenta. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les crampons Skimo Total Race. Donc moi, ce que je recherche dans un crampon en course de ski alpinisme, c'est tout d'abord la légèreté. Après, voilà, faut qu'ils soient rapides à mettre, rapides à sortir du sac. Et puis surtout, une fois qu'ils sont mis, faut que ça tienne quoi, faut plus que ça bouge et puis voilà, faut plus qu'il y ait de soucis avec. Donc les spécificités sur ce nouveau crampon, c'est tout d'abord la fixation à l'avant en T-stop qui va venir remplacer l'étrier. Donc elle est réglable, donc elle s'adapte sur toutes les chaussures de ski de randonnée. Après à l'arrière, on aura deux petites goupilles qui vont venir s'insérer dans les inserts arrière des chaussures, dans le même esprit que les fixations de ski de randonnée. Ensuite, sous le crampon, donc on peut mettre soit la barrette ou soit la sangdynéma. Donc la sangdynéma, ça permet tout simplement de venir plier le crampon en deux pour le ranger plus facilement dans le sac à dos. Et puis au niveau de la légèreté, ils sont super légers, donc ils font 310 grammes. Donc en course de ski alpinisme, chaque seconde compte. Donc sur une manip de cramponnage, que ce soit à mettre ou enlever, c'est super important d'être très rapide. Donc avec ce crampon, c'est vraiment génial.